Votre coffee Olomidella, votre gros coffee Olomidella, vide ma mère, c'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires, regardez. Bon pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer. Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta, je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Kofi Olomidé de mon cul, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des baisers. Eh voilà, c'est des baisers, on est obligé de bloquer sa voiture, wesh. Bloquer sa voiture. De ma mère. Là, c'est tout ça là. L'artiste avait dit que l'album est au décolleté parce qu'il y a deux personnes, il y a deux artistes. Oh, bah, foutu la DJ pour que. Bandem na bango et betaté na ba boîte. Faux et archi faux. En lien et place de justifier les imperfections, battez-vous plutôt. Organisez à ce que vous ayez des bonnes personnes autour de vous. Arrêtez de travailler avec les fanatiques, plutôt engagés, des professionnels. Des professionnels. Voilà. Alors voilà, on pose la question à Kofi Olomidé. Pourquoi l'album Les gens ne décollent pas alors que ils ont un texte à bien à 4. Mais ils ont avancé les quadras, PC réponse. Disons que c'est parce que l'album a été piraté. Que les gens réfléchissent. Qui peut avoir intérêt aujourd'hui de faire ça à Kofi Olomidé? Qui? Ça ne peut pas être un avocat, un journaliste, un policier. Donc, il faut que les gens réfléchissent bien. L'album n'a pas décollé. Oui, ça n'a pas décollé parce que l'album a été piraté. Il reconnaît que l'album n'a pas décollé. Donc, on commence par reconnaître que l'album n'a pas décollé. Ah. Mais nous, on a été vilipendés, insultés, parce injuriés. Que vous aviez dit que l'album ils ont jeté la dévolue sur nous. Simplement parce qu'on disait que l'album n'a pas décollé. Mais il a reconnu lui-même. Sur France, RFI, on reconnaît. Ici, moi, j'en appelle. Aujourd'hui, je vais vous faire la grâce, vraiment une grâce méritée, de citer nommément les Kissinjora. Les merveilles Rambo. Tous ces gens-là qui multipliaient des sorties médiatiques assez bêtes pour me répondre quand je disais que l'album n'a pas décollé. Qui mentait à l'artiste? Moi? Ou ces gens-là qui prétendent être porte-parole de l'artiste? Qui induisait les fanatiques à l'erreur? Moi? Ou ces prétendus, les pseudo-porte-parole? Donc, copirater est loco et l'ongolango succédait. Copirater est loco et perturbera plan promotionnel et puis elongolaka vente. Yo soyo ka groupe mombo ya ba warrior, ya ba golwa, o ya ba kofifi ba kangani, ba beti jo mombo a tika na kwa a belela. O so semi flash to pesho di nzembo. Non ti. Mais bon ça bazo ils a pika piratage non? Na minute aussi que puisque album a fallu mettre un succès pour le album na bonyo. Non so muta yo somba flash ba tele ba nzembo na. C'est-à-dire à tout niveau, à tous les niveaux, il y a la piraterie. Kofi Olomidé, na RFI, on lui a posé la question de savoir, pour faciliter l'accès à la culture, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au Congo? Il a répondu en disant la volonté politique. Ceux qui nous gouvernent ont d'autres priorités pour l'instant. On n'a rien à leur apprendre. Non, moi, ce qui me réjouit dans ça, c'est quoi? Du fait que c'est un ambassadeur culturel, attitré, qui en parle, pas sur un média local, mais sur un média étranger ou international, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est en train de décrire une situation qui se vit chez nous, une situation qui est tellement sombre que, de yo lobby, tout ça a boit sans espoir. Dans notre pays actuellement, pour réussir à faire une bonne publicité, il faudrait utiliser les culturels. Soit les comédiens, soit les musiciens, ils sont très visibles. Mais c'est jusqu'à quel niveau où on voit les pays s'impliquer pour utiliser ces gens-là, afin de permettre à ce qu'il y ait de l'avancement dans Marmambo Cannabis. Zéro. Les rôles des artistes musiciens face aux politiciens, c'est presque, passez-moi ça en tout cas, je sais que ça va peut-être choquer certains, c'est presque le même rôle que les papiers hygiéniques. On utilise et on jette. Et puis on jette. L'ambassadeur était parti en Europe pour réclamer nos œuvres dans le musée. Quelle est la suite? Tu vois, les journalistes qui m'ont rapporté, ils ont fait un salaire, et si, ils ont fait un procès. Non, mais aucune suite également.
vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique, voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. TapTapSend. TapTapSend, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà RCP là. C'est-à-dire, quand il y a la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. TapTapSend. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ce qui est au Tindimbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a RTL Money. Ce qui est le numéro à Brazzaville, on a MTN, on a RTL Money. Utilisez le code promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 euros de bonus. Donc ce qui est au Tindimbongo, frais de transfert, les ATO. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Table Ronde. En tout cas, ma joie est immense, vraiment immense de me retrouver encore une fois devant vous, les amoureux de l'excellence. Alors derrière la caméra, c'est Glody Messa. Aujourd'hui, de retour comme invité, je reçois pour vous Monsieur le Pharaon Spiritu, quoi. Hein? Glody Messa, si tu peux ouvrir le champ, je vais recevoir mon invité du jour et directement, je m'en vais dire bonjour à l'excellent Thierry Mumbaya. Bonjour. Bonjour audience, bonjour à toute la famille Afrika Mumba Télévision. Bonne santé. Ouais, ça va, des pieds sur terre. Bien que Kinshasa, tout est mouvementé ces derniers temps. Dans le monde, on a une période dans le fin de l'année. Mais la fin de l'année, tout est mouvementé. On se plaindre, on peut faire un mouvement malgré la plainte. Mais sinon, nous, on est là à Kinshasa. On a un remaniement, une réorganisation gouvernementale. Donc, tout est affecté, mais sinon, on est là. On dirait fin de l'année. Ah, parce que votre lampier est trop. Hein. Ouais, la fin de l'année, tous les lampiers sont trop. Et puis on se démerde quand même pour tout fêter. Donc, il faut que tout soit bon. Tu as dit que tu as dit que tu as dit l'autre fois 800 francs. On espère que. Et le quoi n'est comme ma priorité à et puis bah ça quelque chose à ça n'a pas grand chose mais quelque chose bah ça on espère en tout cas espérons nous sommes en Macao sur Yamba, le plaisir de partager. Donc voilà, on va parler de on va parler du passage de Koffi Olomide la couleur tropicale chez Claudicia. Ouais. Alors voilà, essayez de comprendre un peu ma voix parce qu'on est dans un bonheur en convalescente. Bien que nous sommes dans un convalescente, c'est pas possible. Alors, l'ambassadeur de la culture, pourquoi tu souris? Je souris parce que l'on aime ce que tu as commis à moi. Après, on a photo qui est vérifiée. Donc voilà, l'ambassadeur de la culture, Koffi Olomide, na RFI. On lui a posé la question de savoir, pour faciliter l'accès à la culture, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au Congo? Il a répondu en disant la volonté politique. Ceux qui nous gouvernent ont d'autres priorités pour l'instant. On n'a rien à leur apprendre. On se limite là. Peut-être parce que je me rappelle encore je vais prendre Gims Kouto Batouté, je vais prendre beaucoup plus Youssoufa et comment il s'appelle, Kalash criminel. Kalash Alouaka, Bato Bazo, plutôt Youssoufa qui dit, ceux qui dirigent les Congos n'aiment pas les Congolais. Ouais, je me rappelle. C'était la collaboration na Bango na MPR. Ceux qui dirigent le Congo n'aiment pas les Congolais. Parce que la politique en soi, gestion et société, tout est cité. Gouverner, c'est prévoir. Maintenant, quand on dirige une nation, dans chaque secteur, il faudrait qu'il y ait des politiques qui entrent avec ces secteurs en question. Donc, quand on dit secteur économique, il faudrait qu'il y ait une politique économique derrière ces secteurs-là pour accompagner l'économie nationale. Quand on parle des secteurs, par exemple, socio-culturels, il faudrait également qu'il y ait une politique
culturelle ou sociale qui accompagne ce secteur. Mais observez sur terrain, vous allez remarquer ensemble avec moi qu'il y a dans chaque secteur, il y a quand même une politique prévue, bien politique en OP, mais il y a quand même des politiques. Oh, attends, ce que vous allez montrer, domaine où on a été. À l'époque de Matata Tampo, nous avons dit que Macron économique, Bablo, moi, Bajan, Rwanda. Ce n'est pas les citoyens lambda qui comprenaient, mais on sentait quand même qu'il y a des organisations, il y a des réunions, il y a des politiques visibles, pas trop palpables, mais visibles. Maintenant, culture en Abisson. Depuis qu'on a connu les ministères et la culture, on a connu. Et comme la période de sanction de culture et art, la période de culture et sanction de sport, et sanction de loisirs, bah, il y a des gens qui ont culture et art, et qui ont patrimoine. Depuis les tout premiers politiciens qui ont été ministère de la culture, la structure culturelle, il y a des conseil culturel, il y a le premier ministre, il y a le conseil culturel, il y a le président de la République, Tilelo. Quelle est cette politique palpable, si pas palpable, mais visible et culturelle dans notre pays? Ils allaient attendre. Maintenant, moi, ce qui me réjouit dans ça, c'est quoi? Du fait que c'est un ambassadeur culturel, attitré, qui en parle, pas sur un média local, mais sur un média étranger ou international, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est en train de décrire une situation qui se vit chez nous, une situation qui est tellement sombre que, dans le lobby, tout ça est sans espoir. Pour moi, je vais aujourd'hui rendre hommage à tous les culturels de notre pays, que ce soit les musiciens, que ce soit les plasticiens, les cordonniers, les comédiens, les culturels que nous sommes, bateau basta la mission culturelle, peu importe les bavures qu'il y a, peu importe les dysfonctionnements que nous constatons, peu importe les désordres qui se vit, qui est remarquable, qui saute à l'œil, mais il y a quand même ces soucis-là, ils fournissent des efforts. Chez nous aujourd'hui, on parle stade des martyrs, Fali qui fait l'autoproduction, Hérité qui fait l'autoproduction, Wenge qui se démerde avec un mécène, et puis il y a toute une machine derrière, Babetti. Mais déjà dans un pays où les professionnels s'organisent, se démerdent pour permettre à ce que vous ayez quand même des grands concerts et envergure. Voilà. Mais quelle est la politique derrière pour accompagner? Aucune. Dans notre pays actuellement, pour réussir à faire une bonne publicité, il faudrait utiliser les culturels. Soit les comédiens, soit les musiciens, ils sont très visibles. Mais c'est jusqu'à quel niveau où on voit les pays s'impliquer pour utiliser ces gens-là, afin de permettre à ce qu'il y ait de l'avancement dans Marmambo Cannabiso. Zéro. Nous sommes dans un pays où moi n'a pas qu'à courte, ma kangin zemba fallé du début jusqu'à la fin. Je parle d'un moine. C'est-à-dire la musique est inospité, où ils auraient permis n'a pas bon déjà bana. Mais musique à tâton balogo a fallé. Bolingo les sous. Aux hommes on a place Marmoutoukei. Donc, Batouana déjà à l'interne Babundi. Je veux ici Tolongolelo Rumoise en Amtoum. Soba Nigeria baza accompagné par pays Nabango, ba Ivoirien baza accompagné par pays Nabango. Même les Ivoiriens, même les Nigériens ont commencé par faire ce que les Congolais font. Basali, 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 basali. Les pays maintenant arrivent, cherchent où se placer. Le problème, ce n'est pas de commencer avec ces gens-là. Mais le problème, c'est de comprendre que ces gens ont fait leur part, bisopé loko ambo katoye, tout se placer. Ne serait-ce créer une politique de facilitation. Chez nous, ça n'existe pas. Quelle est cette politique-là ministérielle, tout ça quand on est un ministère national et à la culture, où est ça là, que les comédiens se sentent accompagnés, que les musiciens se sentent accompagnés. Pour bon, bazar moi l'icolo, tout ça bon na niveau, toujours bas musiciens, tout ça bas comédiens, ils ont beaucoup d'actualité, ils ont une forte production. Chaque jour épisode d'Asika, il y a théâtre pour les côtes en ligne. Chaque année, les artistes sortent des projets, des albums, bah singles, bah épéto, bah ne bissoit tout bien en romati single. Mais quel est jusqu'où le gouvernement s'implique? Mais Romona, IGF Soye, Aosani, a bien des artistes. N'a communiqué, bino marambo biso to sala, bino bosani ni, bosa large diffusion. Romona seni tangoyé. Ba bien des artistes. N'a communiqué bino vision na biso pour bino bosa large diffusion. Donc les rôles des artistes musiciens face aux politiciens, c'est presque, passez-moi ça en tout cas, je sais que ça va peut-être choquer certains, c'est presque le même rôle que les papiers hygiéniques. On utilise et on jette. Et puis on jette. Et puis on jette. Ce n'est pas à double utilisation. Observons, on a pour un même projet bah, utilisé, bah, ensuite, s'il y a bah, bois qui va. Bah, ils attendent à ce qu'il y ait un autre projet. Et moi, je vois souvent bah, quand il y a une élection. C'est-à-dire, les papiers hygiéniques, Kassite. Les papiers hygiéniques. Je préfère encore, bah, ça bah, essuie tout.
Moi, je suis tout au pensé la roue, moi, beaucoup à mon pensé l'ango vert, mon pensé l'ango sani, c'est-à-dire, ça nous aide à beaucoup. Mais les papiers hygiéniques, c'est à une seule utilisation. C'est comme ça chez nous qu'on utilise des artistes et musiciens. Mais quand c'est pas seulement un ambassadeur qui le dit, mais il est quand même une légende. Ouais. L'artiste en question n'est pas seulement considéré comme une icône ou une légende de la musique congolaise, mais c'est la légende de la musique africaine. Donc, il a des contacts par-ci, par-là. Il a les yeux par-ci, par-là. Il sait voir ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe en Tanzanie, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe à Bamboka, à Nyonstou, tout ce qui est en Afrique. Les pays musicalement accompagnés sur le plan culturel. Surtout qu'il y a même les pays culturellement accompagnés sur le plan national. Mais Bissoua, quelle est cette politique-là? Ne serait-ce réajuster les choses? Permettre à ce que Bango Luka va produire Bango Moko, Bissoto Luka place Moko, Toko Mako accompagner. Je ne parle pas d'organiser, mais d'accompagner. Tu sais que dans ces pays, autant nous avons les fonds pour la promotion de l'industrie, nous avons également les fonds pour la promotion de la culture. Moko Yoka a une société, tel projet, tel industriel, fonds pour la promotion industrielle, va voter budget Moko et accompagner à ce projet. Le ministère de la culture, il y a aussi le ministère de l'industrie. Mais fonds pour la promotion de l'industrie ou industrielle, ils ont la raison d'accompagner. Les fonds, ils ont voté. Moi, je n'ai pas voté à budget national. Ils ont alloué dans le secteur rebelle. Ou ils ont pour le fonctionnement du ministère tel, ou ils ont pour le fonctionnement à fonds pour la promotion de l'industrie, ou ils ont pour le fonds pour les fonds pour la promotion de la culture. Mais biso sur le plan culturel, qu'est-ce qui est fait? Sur le plan basique, kakana sebo, qu'est-ce qui est fait? Rien, alors rien. Donc je pense que la réponse de l'artiste était très directe et bien réfléchie. Maintenant, je pense que cette réponse-là ne doit pas seulement être une réponse directe, mais une réponse qui implique, une réponse qui accuse, une réponse qui responsabilise. Mais le problème chez nous à l'interne des années, on n'inquiète pas souvent de tout le monde à un ministre tel IGF Koeli. Tu vois qu'il y a dernièrement que IGF a été là-bas, il y a son patron Didier Boudimbo. Il a fait quoi le ministère tel? Et il a fait quoi le ministère y a pêche et élevage? Alors que tu as un poisson, tu as ceux qui Namibie, ceux qui n'ont pas de poisson, tu as loué l'espace pendant une année pour exploiter le poisson et y a un. Si les autres ont été, quelle est la suite? Tu vas dans le calme. Tu vas dans combien de projets culturels il fallait l'accompagner? S'il faudrait même tout en termes de pratique. L'ambassadeur était parti en Europe pour réclamer nos œuvres dans le musée. Quelle est la suite? Tu vois, les journalistes qui m'ont rapporté, ils ont fait un procès. Quelle suite? Non, mais aucune suite également. Surtout, Gims et Dadju, quand ils étaient devenus ambassadeurs, ils ont la présidence. Que non, ils ont permis à ce que le roi ait un contact avec les bandes. Que nous puissions créer une plaque tournante pour le roi festival. Moi, je suis battu les bandes. Normalement, quand ils proposent comme ça, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement gouvernemental. Mais où est-ce qu'il y a aucune suite. Donc peut-être que les banques. Jean-Claude Van Damme a un passeport diplomatique congolais, étant ambassadeur culturel. Tout le monde a une suite dans les années. Donc, c'est un ministère qui est vraiment placé dans les oubliettes. Ils ont un second degré, ils ont une utilisation primordiale. Nous, on a trouvé vraiment Ramouananiens. Et pour moi, le grand plaisir serait de voir un ambassadeur comme ces derniers en parler, dénoncer, décrier la situation. Et Babilo Kouana, mon insistance, Mirekoza Makas, Nenibo, Bobeti, Lelo, Bobeti, Lobo, Bobeti, Lobo, Kouna, Tissou, Kouya. Sokout Mira, Jericho, Bana Israël, Bakoubazabou Nanzambe. Mais Babou, quand on joue au Moroté. Parce qu'ils insistaient. L'insistance crée des effets. Et je souhaiterais que les lots ambassadeurs soient lobés, lobby ambassadeur soit lobé là, lobby artiste soit lobé là, un ambassadeur naturel, va continuer Koloba, va continuer Koloba. Enfin, que Makele Lewana inquiétait Tabakou. Voilà. Pour comment expliquer nous vivons dans un pays où la culture occupe une place de choix, où les musiciens bougent un peu les choses, où aujourd'hui, s'il faudrait parler du Congo à l'extérieur, on parle des artistes musiciens, mais quand vous arrivez sur place, vous allez constater que, oh, ces artistes ne sont ni accompagnés, ni assistés. Mais par contre, les pays raquettent ces derniers. Ils sont raquettés ici. Pour que les lois droits sur autorisation sortissent à la MP allégée, il a fallu que l'artiste fasse jouer sa relation. Donc, ils ont dit de manière officielle, des plaidoiries, mon côté, mais ils ont dit qu'ils ne sont pas relationnés à BTL. Pourquoi en aéroport, c'est une autorisation, c'est une autorisation.
Le pays ne peut pas commencer à fonctionner pour une audience dans une relation. Nous un service à rendre. Un service à rendre. Non, ça c'est individuel. Mais quand on parle d'un pays, c'est la patrie. La patrie est embolée par rapport à ce que la Constitution prévoit et ma commis ou salami commis. Quelles sont les responsabilités du ministère de la Culture dans Mboka Labisso? C'est aller assister à la soirée culturelle. C'est aller assister dans le centre Wallonie-Bruxelles. Non. C'est gérer tout ce qui est culturel. Si vous avez dit, dans le premier plan, vous êtes là. Si vous avez dans le second rôle, là minimiser ba ngote c'est que ba le liwa yonga na ba même ba sport wana ba le liwa côté ba coup fin de boler là mona na mboka o ba joueur ba ba footballeur ba le là mais tout ne ah so ba footballeur ba le bo ba basketteur bon bo ba ta volleyball et bo ba to ba sala handball bo ba to ba sala ke bo pou ko taper déjà na sport et le noir loisir ko ta sport o tali ba discipline yon so bo so est ce qu'on a ba art martiaux liwa o mona mutu azo kende ko bi ma champion du monde. Même si nous avons une équipe, nous avons un maillot, nous avons un kimono. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? La fédération de l'Union, il y a Jido, il y a Jijichu, il y a Nini, mais au moins, il y a toujours des plaintes. Voilà pourquoi nous avons toujours le début. Même tant que le remaniement, on a comme l'impression qu'il y a un problème de politique et non un problème d'individu. Parce qu'un individu qui trouve une politique déjà bien placée, cette politique-là impose la règle. Son anaïe, elle ou quoi, journaliste? Émission dans ces émissions culturelles, que ce soit ngai, que ce soit audience, on doit rester dans la culture. Parce que créneau n'a biso yangwana, tout cahier des charges n'a biso yangwana. Dès lors que toi n'a cahier des charges, donc on commence avec la culture, on passe la politique, on l'équipe n'a pas. Parce qu'il n'y a pas un ordre bien établi. Je pense que c'est sérieux problème de l'ordre. Dès lors que tu as un problème, vous allez constater ensemble que et aussi là. Mais moi j'applaudis haut et fort les messages ou la réponse de notre ambassadeur parce qu'il a fait preuve de maturité et de réalisme. Kolobama Kambwana ou et surtout sur un média étranger. En tout cas, merci beaucoup Thierry Mambaya. Je t'en prie. Ça m'a manqué tes réflexions comme ça. Moi te recevoir. Ah, il fallait dire ça. Voilà. Il fallait dire ça. Le live comme ça au fait. Et non, te suivre comme ça. Ah, d'accord. Alors, Koffi Olomide, na passage na Ekaka na RFI, on lui a posé la question. D'après l'estimation de sa fortune qui est à peu près 12 millions. Koffi n'a jamais fait d'œuvre caritative. Pourquoi? Alors il a dit parce que je n'en parle pas. Donc il fait des œuvres caritatives, mais il n'en parle pas. Comment on va confirmer qu'il fait des œuvres caritatives puisque nous ne voyons rien du tout? Après, moi je crois que chacun de nous est libre de gérer sa vie comme il le voit, comme il veut, comme bon et tout semble. Aza libre à rendre visible ou invisible les actions ou aza ça là ils à la caritative ceux qui philanthropiques ceux qui n'ont tout ça là il est libre et au gérant au bon mais les balobars en français la noblesse oblige d'ailleurs ils à la peu parmi balbom ou y a ça là noblesse oblige la noblesse nous oblige certaines règles. La noblesse nous oblige certains positionnements. Cette noblesse nous oblige beaucoup de choses. Il en est de même pour chaque secteur et avis. Là, je vais un peu m'élargir dans le monde. On a formé l'entreprise. Jour où on a sur la nuit, sur le paquet de cigarettes, on a le tabac nuit, gravement à votre santé. Bâtir le pourcentage à nicotine, bâtir le pourcentage à goudron. À tout dans la question, mais pourquoi on n'interdit pas? La création si je me pose ou la vente y a cigarette n'est pas interdit il y a chanvre et autres. Expliquez non. Alors que chanvre et zara goudron en a été cigarette et zara et zara nicotine le goût cigarette à l'équipe en termes de destruction. Moi je vais aller plus loin aujourd'hui bateau va fumer chiche là le rôle fumer paquet à cigarette en une. Ouais, ça j'ai entendu dire, mais pourquoi on n'interdit pas ça maintenant? La réflexion ça boit loin de tout ça. Au sens qu'il y a un bon endroit Dubaï, à Idor, à Outer, Kuna, à un moment fresh magic. Kuna, Kuta, ils ont la banane, la chicha. Bah, mais la masangate, mais ça bar, tout boîte, moi, ils ont la chicha. Là, dans le quartier, soit yo, Kuta, pena, banane, la chicha, ou yo, bah, tout ça, on a soir, à tomber la chicha, soir. Bah, Kuta, Nikola. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a la création, bah, bloc, on a la société, et fabrique à Kango.
Ils ont un quota moro boya pourcentage avant qu'ils n'aient pas œuvre caritative partout dans le monde là bon. Donc maintenant mon atouara na BAT tabac Congo bah bloc on a niens tout. Ils ont un pourcentage dans bango moro boya. Bah ébiké. Surtout créer par exemple revenu d'abisso ils ont 1 000 $, 400 $ d'abisso. Et qui n'a pas Félina, n'a pas ministère des Affaires sociales, n'a pas ni. Donc du coup, et puis ça a une possibilité de fonctionner parce que bazo équilibré le monde. Il y a un monde qui peut ça à bango. Chaque artiste musicien célèbre Azarana fondation. Alors fondation non, mon arba fondation Fali Poupa, fondation Inosbi, oh fondation ceux qui X to Y, bah vivre en exonération. C'est-à-dire et l'autre ceux qui ont fondation audience Kalonda. Ce qui est local, pour les comptes, il y a individu, audience, qui a fait en taxe. Mais ce qui est pour les comptes à fondation, à un ami candidat à fondation, il y a un pourcentage. Pour peut dire qu'il y a une fondation. Or, la fondation, ils ont presque un format qui est ASBL, association sans but lucratif. Il y a un peu pour gagner, mais pour soutenir. Même en France, même aux États-Unis, il y a des fondations. Ce qui est tel, Jay-Z, Beyoncé, ils ont des fondations. Et accompagnera, tout comme il accompagnera, le pays en voie de développement, tout le pays tiers-monde. Pour ne pas même parler des pays pauvres et très endettés. Ce qui est le pays abondant. Au nom de la fondation, on exige cahier des charges, on exige documents, on exige l'adresse, on exige la visibilité à l'action. Donc, dès lors qu'on crée une fondation, on est dans l'obligation d'enregistrer ses actions. Action Abisso pour cette année, par exemple, tout ça qui tel, ça doit être enregistré. Sur le président de la République qui est censé poser des actions pour le compte de son pays. Mais il y a une action la personne philanthropique a posé l'action, c'est enregistré la semaine du président, la semaine du gouverneur. Au moins, il y a une action qui est action. Au moins, il y a même des députés qui sont des politiques. Mais Bazalara toujours na ba fondation mon nom fondation Christelle Voanga et ça qui action telle fondation Bernard Chamala et ça qui action telle tous ces gens là ils fonctionnent à bon. Donc quand un artiste dit que lui il n'est pas dans la dans les matu vu quoi, ça dit je pose une action et je rends ça visible, ça va à l'encontre maintenant et à côté naïe il y a personne publique et à fondation. Mais lui-même, l'individu peut poser des actions. Il y a des gens qui ont été en train de se battre. Il y a des gens qui ont été en train de se battre. Mais il y a des gens qui ont été en train de se battre. Ça, c'est l'individu qui pose des actions. De par sa discipline ou sa croyance, il y a des gens qui ont été en train de se battre. Il y a des gens qui ont été. Mais dès lors qu'on pose des actions pour le compte d'une fondation, là, ce qu'on rend visible, ça va à l'encontre. Parce que une fondation, c'est une fondation. Mais une fondation peut profiter d'un accompagnement. Dès lors que l'action est ça, là, est traçable ou retraçable. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, elle a sa fondation FDNT. Tout le monde a l'action ça là. Mais elle a mon sens à l'action publique au Mona, RTLI, au Mona, Brassicole Télé, elle a mon la première dame, elle a tout ça là. Le ministère peut accompagner. Mais pourquoi actionnaire, sponsor? Parce que c'est une fondation qui pose des actions visibles. Et ces sociétés, ça rappelle un quota de pourcentage pour les réserver qui la fondation. Maintenant, il y a une fondation sérieuse qui pose des actions palpables. Ok. Fali pour pas qu'il organise le moment pour la COVID, à ça l'appel des fonds en public. Fabrica, héritier, tout, fonds. Inosbi, qui a une fondation, qui a été Kufikuna, na Est et na Goma, banda coupé baby, tout le monde quelqu'un pour le compte de sa fondation, mais ça l'appelle des fonds. Mais bâton a pour l'année. Pour bâyer, cette fondation posa déjà action, oyo, tout le monde. Voilà pourquoi je réitère ce que j'avais dit dans l'émission sur les comportements, il y a légende. C'est aussi cette politique-là qui manque à nos légendes. Yomoro individu, aux ascensions, ça l'a tout oyo ling. Mais dès lors qu'on traverse la ngambo, il y a personne publique, ça t'impose des règles. Et parmi ces règles, il y a des règles opposées à l'action. La fondation faut la rendre visible, la rendre viral. Il y a des gens qui sont là. L'artiste est tel, du haut de son succès, à ça, la peut action boyer. Et on permettre partenariat dans la fondation, il y a monde qui assiste et qui accompagne. Voilà pourquoi nous avons des grands artistes.
des superstars, des légendes élevées en dignité, connues sur le plan africain et international, mais qui ont du mal à poser des actions comme bah père Nabango, il y a bah Sénégal, il y a bah Mali. Simplement parce que bah so ko estimer niveau Nabango, il y a bah action légendaire, au-delà il y a musique. Poser des actions légendaires sur le plan musical, ça vous vend. Mais ils ont réservé nous aux carabins, on a coquille, mon robe prisonnier, parce que mon toi ça fan nous terre au télémélo. On a eu adversité, on a eu polémique. Ouais. Mais ce qu'on traversait côté qu'on a remis standard. Au long de cet artiste là qui est prisonnier de son profil musicien, mais au hasard la action légendaire où ils ont permettre même audience ça fanatique, il y a bien affilé au Congo ça fanatique, il y a Fabregas, mais surtout Koutani ton dit mon artiste est mort. C'est-à-dire surtout bien ah, bien affilé la bien non manque à Fabregas la biso. Mais surtout comme une action telle n'a ôté mais aidé. Parce que c'est une action où ils ont sunga. Ouais. Fabregas Sambino okay. Na comment roboya batou. Mais surtout comme une action n'est moro au côté mais langaté. À l'époque on dénonçait tous ba discours à Fabregas mais dès lors que ton monde a joué handicapé mo personne vivant avec handicap et avec la joue le coin instrumentiste a bêtissé un album tolobi. Ça c'est une manière pour naier. Il y a quoi ko longola marginalisation. Au moment de l'action et longo l'armoutou, na coquille ouana parce que il y a musique et quand ça bombe la prison, une commission standard. Donc c'est il faudrait une bonne politique aussi à l'interne pour les musiciens. Et ce qui manque aux artistes musiciens pour voir comment on a un discours à bout, ils accaparent pour bazar accompagner, na ba plan n'y a sauté. Nous avons dit pendant que vous avez quitté que même Fally pour pas, il se doit maintenant d'avoir un conseiller en matière politique. Pour bah na roider quand je me rends dans une activité par exemple la France Afrique avec Macron. Quel est le discours que je dois tenir? Quelle est la communication que je dois faire pour permettre à ce que et le public et les concernés bah, comprendre. Toi, tu vois, il fallait aux États-Unis devant les décideurs du monde entier dénoncer la guerre à l'Est. Mais Awa, bah, tu vas courir pendant qu'on s'imprégne dans l'autre. Parce que ça a manqué cette communication-là. Mais cette fois-là, on a vu Fally, bah, écoute, un Macron, à Poto, ça les publications, il a fait une communication pour expliciter. Bakoutaniawa, il a fait aussi une autre communication pour expliciter. Donc ça prouve à suffisance que l'artiste a compris qu'avant, Bakoutaniawa n'a pas présidé Bélé. Mais c'est passé comme ça. Ah voilà, Bakoutaniawa, mais pour une très grande activité, une grosse activité, je dois profiter pour faire passer mon message, mais aussi communiquer sur le plan public. Donc moi je pense que dès lors que l'artiste aura un bon conseiller en matière, il y a Bablo, Fondation et autres, en changer de discours. Même. Parce que le discours ne colle pas vraiment avec le niveau de l'artiste, qui est une légende et un ambassadeur. Ok. En tout cas, Thierry, je n'ai pas voulu dire que c'est un discours rabaissant. Le discours ne colle pas avec le niveau de l'artiste, ouais. Qui est une légende. Moi aussi, je n'ai pas dit que c'est un discours rabaissant. Moi, je n'ai pas voulu dire ça. Parce que, soit Tobito Kene, dire la chose et son contraire, et même sur la mambou, belé, belé. Que ça a tourné mon appartement à Istanbul. Il a vulgarisé cette tournée-là. Alekina Beni, Aleki Pastel, a tiki moi quelque chose à l'action. Oui, on a vu. Bon, ce qu'on est né. Oui, bah l'action est ça. Tiens. D'où le discours. J'ai bien dit ça. Apparemment. Comment expliquer alors, une personne qui offre une voiture à un artiste musicien, porte-parole? On médiatise. Mais les actions qui va soutenir les personnes démunies. Je n'en parle pas. Merci. Merci beaucoup, vraiment. En tout cas. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Heureusement, il y a quelques jours pour avoir un point noir. Ah, mon Dieu. Bon, on va passer. Voilà. Mon Baya. RFI, toujours. J'ai pris mon temps. J'ai bien pris mon temps. Alors voilà, on pose la question à Koffi Olomide. Pourquoi l'album Légende ne décolle pas alors que ils ont un texte à bien à 4. Mais ils ont avant c'était les quadras, PC réponse disant que c'est parce que l'album a été piraté et tout. Donc, piratage Joana FR sur Buriango, Mamba Makambo, tout. Et il ajoute que les gens réfléchissent. Qui peut avoir intérêt aujourd'hui de faire ça à Koffi Olomide? Qui? Ça ne peut pas être un avocat,
un journaliste, un policier, donc il faut que les gens réfléchissent bien. Thierry Mumbaya, je ferme ma tablette parce que ici, je crois qu'on va dormir ici. Et puis on conclut ici. Ok. Alors l'excellent, le quadre a dit que les gens réfléchissent bien. Ce n'est pas un avocat, pas un journaliste, pas un politicien qui peut avoir intérêt à ce que l'album Yakofi Olomide est à la piraté. Qui? Certainement un artiste musicien. Voilà, alors continuons. Pousse un peu. Alors moi, je pense que c'est l'une des meilleures interviews accordées par le vieux en ces temps-ci. Parce qu'on a, on a comme l'impression que le vieux est très sincère. Il est ouvert d'esprit, mais aussi très direct, ce que j'aime. Parce que dans la réponse, il y a vieux, il y a tellement de choses plaisantes. Panana. Ça me fait tellement du bien. Comme? Je commence par la fin. L'album n'a pas décollé, oui, ça n'a pas décollé parce que l'album a été piraté. Il reconnaît que l'album n'a pas donc décollé. On commence par reconnaître que voilà. L'album n'a pas décollé. Ah. Mais nous, on a été vilipendés, insultés, parce injuriés. Que vous ils ont jeté la dévolue sur nous, simplement parce qu'on disait que l'album n'a pas décollé. Mais il a reconnu lui-même. Sur France, RFI, on RFI, reconnaît. Que l'album n'a pas... En tout cas, moi, j'entendais une réponse du genre... Non, ben, l'album avance, mais seulement, il y a... Mais j'ai entendu, parce que... Oh donc, quand on répond directement, c'est qu'on reconnaît l'or sur blanc. On affirme ce qu'on vient de dire. L'album n'a pas décollé. Mm-hmm. Mais ici, moi, j'en appelle. Aujourd'hui, je vais vous faire la grâce, vraiment une grâce méritée, de citer nommément les Kissinjora, les Merveilles Rambo. Tous ces gens-là qui multipliaient des sorties médiatiques assez bêtes pour me répondre quand je disais que l'album n'a pas décollé. Ok. Maintenant, lui-même, l'artiste, puisqu'il a reconnu que l'album n'a pas décollé, qui mentait à l'artiste? Moi ou ces gens-là qui prétendent être porte-parole de l'artiste? Qui induisait les fanatiques à l'erreur? Moi ou ces prétendus, les pseudo-porte-parole? Qui insultait les efforts de l'artiste? Moi ou ces pseudo-porte-parole? La vérité finit toujours par triompher. Toujours. Et aujourd'hui, la vérité a triomphé au grand jour. Ok. Triomphe maintenant aux éclats, avec fanfare et tambour. Oh là là. Du coup, moi je pense que Bilo Rabouetang est au coma. Même les artistes, d'autres artistes, même les fanatiques, Obama ou Narabiso toujours Batomabi, il ne faut pas comprendre les soucis que nous avons. Les soucis que nous avons. Parce qu'au-delà de tout, nous aussi, on est fanatiques des X et Y. Toi, tu es confié de malchance dans la Skoyangwana. Parce que je me souciais de notre album d'abord au départ. J'ai parlé dans ma plateau, non, des fois comme fanatique, des fois comme analyste. Ouais. Que cet album, ils ont connu un problème. Mais, surtout, on a eu un peu de sa réponse. Le quoi, tout le aujourd'hui, on leur a donné la chance. On a eu un peu de pour répondre directement. Tu sais, tu ne cites jamais. Hein, voilà. T'as allé dans la c'est-à-dire la grâce méritée. Okay. C'est ma réponse. Alors, revenons sur les soucis de notre vieux. Audience, on va pirater l'album dans les canaux d'émission. Dans le bas, l'album, on va pirater, ça réduit la chance. Il y a l'album. Mais dans le cas, il y a même l'émission, on appelle ça la tactique comment sauver la situation. Parce que l'album n'a pas été piraté, il y a une plateforme. Illégal, il y a téléchargement illégal. Bah ben on va plateforme dérisoire, bah plateforme moins arabaco créé bah tiens, boyoki m'ont récolté bon on est après, sauf au signaler bah bloqué. Donc il y avait la possibilité de signaler ces plateformes. Dans le bas l'album on a édité, un éditeur a bien et comment a protégé bah droit. On même dit on a na YouTube, t'es sur on a YouTube, éditeur on a sa plateforme en sous et signaler YouTube non. Okay. À combien plus forte raison plateforme y a streaming contre plateforme à streaming. Donc album wana na ba plateforme n'a ça même pas une journée. Réclamation directe tout est protégé ba retirer ba on ba droit. Mais pourquoi ba ça là en retient. Na ça là na yo presque 3 émissions où j'ai revenu sur la faisabilité y a makambo wana. Pourquoi ba ça là en retient. Maloba na biso mabé alors que ça maloba nganga. Raison pour laquelle on s'est posé même la question de savoir est-ce que vraiment ils ont été piratés. Tout est voilà. Stratégie. Mais ici, je vais très rapidement survoler quelques titres. Sur que y'a un esprit, sur que je commence maintenant par la chanson. Maya, le lobby, melingana, tongo.
Maman est bolingo et tu as la kinga, ma belle mingi. Il a fait rigolo. N'importe quoi. Et puis qu'est-ce piraté? Ah bon? Ouais. Ok. C'était une chanson piratée. Moi, j'ai eu succès dans un mois. Ah, t'es moi j'aime. Si les lots. Il y a un succès. Et si ton nom sur chemise, c'est quoi là? Non, ils ont la meilleure chemise. Tu vois, ils ont battu en Angola, clip là. Et quoi encore? Ok. Jugement. Et puis que jugement, ça l'a piraté. Il te beau, il te beau. Ils ont piraté. Ah. Oui. Mais ça a succès, il est là. Et parmi, je n'ai qu'à faire au compter 4 minutes, au compter, ils ont un succès. Donc, pour pirater les locaux, et l'on a un succès. Pour pirater les locaux, et perturber le plan promotionnel, et puis, et l'on a la vente. Parce que comment je vais acheter quelque chose où on a un an déjà? Dans son bâté. Donc, l'album en question, il fallait tout le monde souffrir de la vente. Que tout le monde a la plateforme, la streaming, la YouTube. La YouTube coûte parce que YouTube est un clip. Donc, tu as la rare. Normalement, il fallait que l'album souffre de la vente. Tout le monde a la vente, il est faible. Mais succès en Zembo, et Zembo, c'est ça, succès pour la pirater. Et bien, c'est succès. C'est la version originale, succès. Quand tout artiste, il est surtout bien affilé. Montonion, sois un problème, alors. Ils sont hors du commun, parce qu'ils sont hors série, ils ont une musique. Parce qu'ils ont un album. Ils ont un album qui a une répétition, ils vont s'accrocher. Ils comprennent qu'ils font ça. Ils font ça. Ils font ça. Ils ont une version de la. Et pas de la langue, ils ont un album. C'est-à-dire, ils ont un album, ils ont un succès. Le problème, c'est quoi? Ils ont piraté Bino. Et qu'est-ce que vous avez fait pour la promotion? Parce que la promotion, c'est autre chose. Je peux ou ne pas acheter ton album, mais je suis ça à la télé. J'adore une chanson, je reste accro sur la chanson. Le vrai problème, ce n'est pas seulement la piraterie. Piraterie wana est affectée par mon côté vente. Tout le monde, oui. Tout le piraterie est sali. Voilà pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, que les artistes nous aident dans ce sens-là. Nous avons piraté un zembo pour retrouver, porter plainte, traduisez une personne comme ça dans la justice. Pour permettre à dénoncer Biloko avec preuve. Mais dans une histoire, pas trop bien, mais tout est en. Mais on a il y a médias, il y a moi aussi, j'étais les noms, mais tu vois, il y a un bon sens. La vidéo, il y a sexe à Pébimaka. Mais tellement bloqué on comment il vidéo a créé collectif morobo. Bah qui porter plainte contre cybercriminalité. Nga na tindel moi si dans vidéo soit bimi si ngo po nani ata to beban. A droit bimi sango moi si nga tindel nga vidéo na bimi si ngo po nani to beban. Bah porter plainte que Joana ça l'a sérieusement inquiété. OK. Ouais. Et affecta comme ça là on a vu son moi si période bon oui. Mais Joe a bien ça, Azala sérieusement, pourquoi Baloba tout l'exemple? Azala sérieusement inquiété. Mais aucune fois, tout le monde est un artiste un musicien pour son album. Il a souffert pour cet album. Il a fait un enregistrement, un mastering, un pré-enregistrement. Il a fait un enregistrement, il a fait une prise de voix. Il a fait un pirater au vin de l'eau. Alors, il s'est plaint. C'est irresponsable comme attitude, comme comportement. Donc, aujourd'hui, nous allons nous mettre d'accord que l'album, si l'album n'est pas suffisamment vendu, c'est parce que les gens en ont déjà. Batitre en ont. Bazan en ont, moi, Basomba, ils allaient être. Mais si l'album n'a pas connu un succès, rien à voir avec la piraterie. Parce que Toyo qui en aussi, c'était. Tout... On doit aimer, non? Le problème avec les succès, c'est la promotion qui accompagne l'œuvre. Succès, œuvre, Moussous, c'est naturellement. Mais succès, Moussous, surtout quand il s'agit d'un album, il faudrait qu'il y ait une très bonne promotion. Mais comment est-ce que tu reçois la promotion? Parce que tu reçois l'émission, tu as commenté une très belle émission. Mais quand tu as évalué l'émission, tu as une émission, ils ont qui? Bien. C'est dans la boîte qu'on dit des vérités. Voilà. Mais comment expliquer que tu es censé dire cette vérité-là? Non, ça a été. L'album, l'émission est bête à danger. Mais pourtant, c'est faux. Il y a un tout bateau, on a un coco sanan. On a une mission qui vient de Jorah. Aïe, je suis à Mumbai, 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 Alors, non mais attendez, attends un peu, je me pose la question. Si vous dites que non, Ezo Beta, chose qui est fausse déjà, soit Bolobi qui est Beta, soit Bolobi qui est Beta T, c'est vous qui avez un rapport avec Makam Nabangwa promotion, soit Bolobi, soit Beta T, ça freine la promotion. Parce qu'aujourd'hui, pour boucler la boucle,
La même team et lui-même l'artiste sur un plateau, ils ont dit que bah journaliste hein, bah bloquer l'album, bah c'est la promotion mabé. On vous a donné combien pour lancer la promotion? Je reste sur ça. Avant même qu'on y arrive, oh bah ça y est. Mais aujourd'hui, on nous dit clairement, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas. Voilà. Ah. Donc, on est encore des douaniers. Comment ils ont beaucoup de... Putain, c'est pas possible ça. Il y a tellement de choses qui sortent de la même bouche. Oh, bah, une chose est son contraire. Oh, bisoto linga, le double discours. Donc, en somme, les problèmes avec l'album, ils ont promis dans l'album une émission précédente. La promotion. Loin de tout ce qu'on dit, la piraterie a affecté la vente, oui, mais la promotion peut booster la consommation sur terrain. Ouais. Bah, pirater l'album, mais tu crois qu'on peut dans la bar, tu crois qu'on peut dans la boîte. Quand sur un plateau international, on dit que l'album n'a pas accroché. Donc, selon Claudie Siarou, sa team. C'était la question d'une personne là. Oui, et ça, ils ont toujours un registre en banque. Parce qu'une question qui ne cadre pas dans le registre, attends, émission à téléphone ouvert, à téléphone ouvert, va poser, va valider. Ok. Tout le monde a un autre dans l'émission, mais là, à téléphone ouvert, on a notre émission à la radio, et téléphone ouvert, il faut en cahier des charges. Question sur le côté d'un cahier des charges, parce que les journalistes sont censés prélever les données. Quand je prélève mes données, je sais qu'un album qui se comporte bien sur le terrain, toi tu viens. Comme auditeur au tournée par exemple, pourquoi l'album ne marche pas? Non, tout non. Parce que les données que j'ai prouvent noir sur blanc que l'album se comporte bien. Donc si les journalistes et les médias ont validé la question, c'est que et les médias et la personne qui est posée la question, sont d'accord que l'album ne se comporte pas bien. Maintenant, sur un plateau international comme ça, par rapport à ligne éditoriale, s'ils valident qu'un album ne se comporte pas bien comme il se devait, c'est que il y a un critère au bâtard. Mais est-ce que tu viens de dire pour la boîte de nuit, la terrasse et tout ça là, l'artiste avait dit que l'album est des autres décollé parce qu'il y a deux personnes, il y a des artistes au footy, la DJ pour que Bandem na bango et Betaté na ba boîte. Faux et archi faux. Je vais prendre l'histoire la plus récente. Dernièrement, tu as dans sa séance photo à Dab. Tu vas aller quelque part, tout ça, ba photo. Na Liban, non, tu vas une photo sérénée, tout le côté dans un studio photo. Ah, nous avons formé cette bêtise, à mi balé, à mi ça, tout, à 4, à 5, les wa, bolim sangai, comme on l'a sé. Ah papa, quand on dit album mon beau bête à ce gars, il y a ça succès quand c'est beau tout ça. Après ce que moi quoi à quoi servir, oh papa, soit tout ça la copa y a massacre. Tout tes caca, c'est long bateau bayaka. Et puis tout bête à musique, c'est long bateau bao mela. Ce sont musique, on est ça qui bateau bao melo vanda bao mela. Tout ça n'est tout qui rana. On monte calcul ou on va y aller à biso y a bao non. Bah bloquer album n'a pas bah DJ pour bah foutre bah bon. C'est de la vieille école. Okay. Les lois, techniquement, on peut prouver que c'est faux et archi faux. Je peux. Allons-y. Pourquoi dans toutes nos boîtes, dans mon il fallait à l'obélango, la Côte d'Ivoire, héritier à l'obélango, la Côte d'Ivoire, faire à l'obélango quelque part. Pourquoi dans presque la majorité de nos boîtes ici, on ne joue plus la musique congolaise? C'est que bah Nigeria, bah Futambo, ah pas bah DJ, on va tirer la musique congolaise. Tout qui est dans la même logique quoi. Parce que ça c'est vrai que n'a pas. Parce que la musique au bongo salawana, ce n'est pas une musique qui accroche dans ma place à ma boîte. Ça n'accroche plus actuellement. Et les DJ qu'est-ce qu'ils font? Bah on a besoin de boîte dans bongo, bah tout ça à mebélé. Soit mutoyo ya bato ba linga ko ya boîte parce que pour na bongo besoin estimer que boîte en beta musique a bien il y a la bonne ambiance. Bah tu as la score playlist na biso to beta nino etina ba isa all. Bah no beta. Si l'album marche, la boîte sera obligée de jouer la musique. C'est inévitable. Dans un point noir, dans un Brazzaville, au moins, baza a fait. C'était bien sûr, ils ont pour appeler Rumba, Rumba, Ibele, Wasuma, na Chetemba. Ils ont deux boîtes. Chetemba. Deux boîtes où ils mettent la musique, n'a plus à temps plein. Le Chetemba qu'on appelle, qu'on écrit Chetemba VIP là. On m'a amené là-bas une fois chez HKK que je salue en passant. Ces jours, n'aimons quoi y a kaki. Toki là-bas. Kaki. On m'a. On oublie le quoi Brazzaville au point. Tokenda dans la boîte, il m'a dit non ici j'aime parce que j'aime tout le temps quand je viens à Kinkoya à Apo, Bachaka, Barumba, Yabiso, Kalawana et tout ça. Voilà. Nous sommes allés là-bas. Il y avait oui la rumba à Kala. Et mon copain a commis na oyoka. Je suis nana fati. On a comme na posé pe na ngoko. Et puis un moment, non qui fallit. Na babandi no kisu Bachaka c'était roi Manitou. Voilà. Donc, il y a un manito. Il y a un SL. Oh. Parce que,
Mais depuis toi il y a un abandon, il y a un il y a Kala, on a papa, Rochero et tout ça là. Mais je commence à entendre Bafali et tout ça là. Pourquoi on ne met pas. Bon, j'avais cité d'autres artistes jeunes, je préfère ne pas citer. Mais on met la musique au Batbao, c'est la bonne rumba, donc voilà. C'est le vrai problème. Chez nous ici, quand nos boîtes ne jouent plus cette musique là, parce qu'ils ont compris que la musique que les jeunes aiment beaucoup plus, c'est la musique X. Au lieu de Y pour faire plaisir au pays, aux artistes, pendant ces temps, nous sommes une boîte pour faire plaisir aux consommateurs. Comment expliquez-vous une boîte, un bar, terrasse, babou et robet ta musique alors que bato basou ma musique non bazo réclamer. Donc si on va payer par exemple DJ 1000 dollars, toi t'as 5000 dollars, voire même 10000 dollars ou 50000 dollars si vous voulez. Même si c'est un album XT. Boîte ils en ont DJ T. Il y a un escroc problème. Ah. DJ aka DJ donc ba boîte ils en ont manager. Ba boîte ils en ont caissier, ils en ont gestionnaire, ils en ont proprio dans boss. Ba toi tout ba besoin compte bon, tu DJ tu as besoin bon. Au point qu'il y a imposé musique dans la boîte. C'est irréfléchi. Okay. C'est irréfléchi. Le bâton à radio, babo obé, t'en pour mon colo radio. Les propriétaires de la radio peuvent s'en foutre. Hein. C'est moi qui écoute. C'est sa radio, à l'objet. Ok. La radio, n'a pas été soit artiste au thé. Le col, il y a un artiste. Mais comment expliquer les musiciens qui sont en train de se faire? Et là, on le laisse à l'okuta. La preuve, il y a un bar, une boîte. Tout à Molarana, beaucoup de place, beaucoup de babé, de musique. Musique, babé, de musique, babé, qui sont tout à l'heure, va te battre. Comment dans une boîte on peut refuser à X, babé, à Robin? Bon. Donc Robin, on a un moyen, où est-ce qu'il y a pour Baboya, pour Baboya, pour Baboya. Je pense qu'il faut revoir juste les côtés, il y a promotion. La boîte fait aussi la promotion à l'artiste. Au moins, on a un album et Bimi, en attendant, on a une nouveauté. Mais où me l'a raté? Na playlist c'est ça chanson prioritaire. Ouais. Oh bah on baby que bah toi bah outil les banda bah na on a mutu. Ne bah côté bah na besoin bah yo quand on tombe bah on met là bah bina. Souffrez que vous boitez tout petit bah petit 5 chansons album ou bah petit une chanson album. Parce que bah baby qu'un album ou ils en a bah tube et belé. D'ailleurs la majorité bah boit et bête à bah tube et bête à bah hit et bête à bah nzemboza ordinaire t. Donc voilà pourquoi il faudrait que les artistes travaillent les côtés promotionnels de leurs chansons pour que bah nzemboza bango et l'on va bah classique. Et comment bah, it. Il y a un langage qui se dit dans Moko. Dis tout ça là, Manzembo et Yara n'a pas succès à part en battre qu'il n'a pas de Zembo et Oumela. Ça accroche. Voilà. Nzembo pour Oumela, faut ça succès. Tant que l'on a Nzembo papa Lutumba, Nzembo papa Luambo, Nzembo papa Taboule, Nzembo maman Abeti Masikine, Nzembo maman Biliabel, et accrochati le autre Yokara, où est-ce que ça a succès? Boya, et ça a la succès. Il y a un Oetikala. Au fait, là, la misère diffuse, il y a papa, comment il s'appelle, Madilo System, et ça a succès éthique là. Soyez bon, Nairobi en Bilabel, et ça a succès éthique là. Toutes les chansons, tu auras l'élo, et ça a un succès après éthique. Mais comment expliquer ce discours actuellement? Au biso ça a bandé, moi, il y a raté un succès, et biso ça a bandé, moi, il y a éthique là. Pour éthique là, il faut bailler bon. Et l'autre éthique là, il y a une autre éthique. Ça, c'est ce que les gens ignorent au fait. Non, mais ces discours, quand vous sortez ça là, vous c'est irréfléchi. En fait, les gens cherchent toujours des excuses pour justifier l'imperfection. Alors, qu'ils ont la possibilité, en lien et place, de justifier les imperfections, battez-vous plutôt. Organisez voilà. À ce que vous ayez des bonnes personnes autour de vous. Arrêtez de travailler avec les fanatiques, plutôt engagez des professionnels. Les professionnels, voilà. En tout cas, c'est une très belle conclusion. Au lieu de justifier, cherchez à améliorer, cherchez à faire mieux, cherchez à faire avancer vos et ils savent qu'ils sont censés améliorer. Mais le problème, c'est que les bouches, ils ont mis ça à la vérité. Moi, je suis un peu plus grand. Quand vous êtes de mauvaises personnes et puis vous ne devez plus citer les noms. Et au fait. L'autre. La fin là. Quand il a dit réfléchissez sur qui peut avoir intérêt à connuire. Que ça là, que la chance. Album n'aille cartonné et tout ça là. Tu as dit que c'est un artiste musicien. Normalement. Un artiste musicien, ça peut être qui? Ça peut être un artiste musicien. Déjà, quand on dit clairement et directement, là au moins on nous a poussé à la réflexion. Parce qu'il y a un point de suspension. Ouais. Mais là où on a dit clairement que batou ba fouti, ba DJ pour ba betate. Ba musicien ba fouti. Mais pourquoi on n'a pas cité? Plainte contre l'inconnu, tout ça, la casse, soyez bien, menacé, soyez bien, plainte contre l'inconnu.
tout même bendis Mikolos a un problème nanani est-ce que une fois j'ai été poursuite moi na car banine à l'époque j'habitais à Lemba na ça plein contre le koni na coin na biso toi na la police na ça là on a souciat na ça là on a na parquet tout n'a plein contre le koni pour na bo na ozaki na ba antécédent na mutu bo soani na mutu Mikolo bébé na mutu na musala na yo mutu moi mais na ça que ça on pose toutes ces questions là si on a ça plein contre le koni ba biso té ben dit c'est pécibiso mutu tel photo convoquer. Mais quand on connaît que c'est un artiste, donc on a encore la possibilité d'en savoir plus que artiste en cause à tel. Les artistes musiciens pleurnichards ne sont pas porteurs de couilles pour dire des vérités à la télévision. Thierry Mombay. Ils ne sont pas porteurs de couilles. Tu sais que c'est fort ce que tu viens de dire. Je voulais vraiment dire quelque chose de trop fort. Malheureusement, j'ai dit quelque chose de fort, simplement. Ah! Alors que Bissou Minon, Bissou Vanda, pour nous dénoncer ma cambo. Il suffit de pointer du doigt, Bissou te dénoncer. Mais pourquoi ils ne le font pas? Non, mais parce qu'ils se disent peut-être que non, voilà, vous êtes de pro X et si on dénonce, vous n'allez rien faire. À la base, le problème, c'est quoi? À la base, au lieu de se plaindre sur des choses imaginaires, posons des actions. Oh le bon non, est-ce que robot non. Et puis tout le bas qui m'a belé oh yo, et bota angou batte. Yo l'onité sur base à nini, oh le bas qui m'a belé bota angou batte. Moi même bateau basala ba étude, y a ba terre arable et non arable. Babanda non colonna lona, ba ibiki. Ma belé sur les espèces au tolona qui botite. Ma belé sur les espèces au toni botite. Donc bien on quoi besoin d'espèces au bolonate. Étude des salamara d'abord. Donc il faudrait commencer par poser des actions. Quelles sont les actions posées non accompagnées ici? Nous, quand on a dénoncé ici que la piraterie de cet album est qu'on coûtait artiste. Parce que tu as un souci, écoutez. Au moins, nous avons dit avant nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit malgré qu'il pro, mais nous on a dénoncé. La première heure, quand j'ai dénoncé sur ton plateau, ils étaient où? Ils n'ont pas suivi. Donc, en lieu et place de nous incriminer, qu'on peut s'abîmer sur ma connotation, se souvenir dans haut déjà tout sali. Sauf tout ça là qui était. Puisque tu as déjà fait ça, tu as une option au lobby pour rappeler au lobby. Bon. Tu as une émission depuis que tu as rappelé Kaka. Pour rappeler Kaka, en tout cas. Alors, merci beaucoup Thierry Mombaya. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà, je salue la présence d'Aïdor Bokwala, il y a Pembe certifié que je vais recevoir dans pas longtemps aussi. Alors, Glo, je laisse la parole à Spiritu qui va donner un mot de la fin, ensuite nous allons justement nous séparer. Thierry, je t'écoute. Alors, le mot de la fin serait de dire à tous les artistes et musiciens qui sont victimes par moment à la piraterie, il y a entourage, moko flatteur, tout ça là. Aujourd'hui, c'est possible, avec le peu que nous avons, de remonter la pente, de corriger les erreurs, mais aussi de projeter mieux. Pourquoi j'insiste sur projeter? Parce que j'aime bien le dire souvent dans mes sorties médiatiques que on n'a plus besoin de nous attarder sur Bamakambouya, ils ont ça là maintenant nous. Mais on doit beaucoup plus colober là-bas fait. Parce que si aujourd'hui une légende est piratée, à combien plus forte raison un Inosbi, à combien plus forte raison Gaz Mawete et tant d'autres artistes. Donc ça prouve noir sur blanc que Babilo Kouana, piraté, Saliboué, et Bandaki, Eza, et Kozala. Le plus grand combat, la plus grosse guerre au monde d'artistes, c'est la lutte contre la piraterie. Donc c'est que cette histoire de piraterie est Kozala Kakaka. Et Kozala Kapesikoyote. Puisque Kozala Kakaka et Kozala Kapesikoyote, ce qu'il faudrait faire est Kozala mieux, il y a Koluka Nengemokoboué, tout permettre à ce que les gens ne soient pas comment est-ce que Kozala a la possibilité de sanctionner les pirates. Ok. Il y a des artistes pour côté studio, pour bimis album. En souci, il ne faut pas continuer avec le studio, pas continuer avec bimis album. Mais sous le canabangote, descendance ya. Mais descendance ya, ils ont été que si hier on avait un problème, neti bisona betelo histoire mo. Moi neto ça là bas micro boy jumel. Yo là tiens on a là tiens. Car la temps on ça YouTube à l'époque à tribunal. Tu vas non ça le bosso mis des micros. Bon même pas technicien moi ingéngé à 4 mitou à jumelango.
à Kangisi, Bosombi et un fois un Bokati Moutou, Bokangisi. Donc ça dit technicité mon proposala. Au lieu toi de Sakaboué, Azon Sabou, Bosa quand même la deux micros, Bosa libre. Mais le quoi, Bo utiliser par exemple caméra Moko. Au lieu de brancher, on déplace, bah, synchronisation, vous avez quand même la facilitation. Mais plus la technologie évolue, bah, micro jumelle et comment vous êtes là. Il y a un autre micro qui est cité. Donc, ce n'est pas que le coup, la bisote souffre qui est le roi, la bouddhisme de Boué, le roi, le roi. Ce n'est pas que parce que bah, hier, ils étaient piratés, et bah, ils ont comment est-ce qu'ils ont trouvé la solution. Bah, l'équipe est tout gardé comme bon. Non? Mysticisme dans le milieu musical. Yo. Ils ont fait avancer les choses. Jusque-là, le gouvernement, c'est la relation politique et culturelle. Jusque-là, tout le monde est là. Même si tu as 24 points. Est-ce que vous avez des gens qui sont là? 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 Olinga artiste non par exemple Olinga est makasi tout ça là biso ba fanatique solo bina wera banzo ito beto solo bina na quadra ba ko fil to aussi leka solo bina fali ba warrior to sopani solo bina faire ba golwa ok yo so yoka groupe mombo ya ba warrior ya ba golwa o ya ba ko fil ba kangani ba beti jo mombo atika na coin a belela o so semi flash to pe so dinzem non ti. Mais bon, ça, bazo, ils ont payé un piratage, non? Na minute aussi, puisque l'album a fallu un succès pour l'album na bonne nuance. Non, soit vous avez son flash, bah tu le bandes mona. Il y a fallu. Soit qui va warrior, bah qui télé macoule. C'est-à-dire à tout niveau, à tous les niveaux, il y a la piraterie. Et chaque personne, chaque individu, chaque fanatique, chaque structure, ils sont censés ça la paix par là. Les lois gouvernement, n'abîme pas qu'on boite, les passeports monique et artiste, bah comment s'organiser, bah descente, bah y est la victoire ou ana. Bah on récupère bah tout au bah on est capable on a bah on bah on fout ça bah on bah pénalité et là quoi les banques ça gouvernement on le tout ce qu'a artiste bah ça la boue bah bien écoute à ma mobile écoute bisous mon gouvernement tout ça n'est toujours les devant parce que le gouvernement est censé protéger par les biais à la société et à la droit d'auteur le quoi n'est tu sois dans la Sokoda na Sonika la société on a bah inspecteur oh bah qui t'as bah sale faut pour bah percevoir bah qui t'as bah boîte bah radio bah TV mais pourquoi bah les cartes bah qu'on percevoir puis bah droit. Il n'y a pas de gens qui ont été en victoire, en super Lemba, en Cartier, en Jili, en limité 7ème rue. Il y a un carrefour en Abiswana. Est-ce que ceux qui ont été en Sokoda sont en bon moment? Parce qu'ils ont été en artiste. Ils ont été en artiste. Même si on a été en bafle, ils ont été en balabala. Soit comme on a été en Zambé, il faut inspecter à Sokoda. Il faut foutre à droit à Zambé. Parce que Zambé est en bimaké à usage domicile. Donc, nous avons un bimara, un bimara, un bimara, un bimara, un bimara, un bimara, un écouteur, un bimara. Mais dès lors que c'est un espace public, et comme il y a un usage pré-enregistré, donc il faut foutre un bon ressource. Bon, il faut faire la société à droit d'auteur. L'artiste, il faut s'organiser, il faut faire des autres blocs. Il faut faire des musiques, le lobby, il faut mobiliser les fans. Au lieu de faire des choses, il faut bah fallit pendant que le stade de Martin sans avenir. Beau qui tendait l'andela, beau beau tout le bateau. On est bien sûr bah warrior tout silica par rapport à bah propos games. Beau aimer beau quitter l'andela, beaucoup. C'est à dire bah mobilisation des banques sa gouvernement. Bah comprendre que auto prise en charge aux artistes bah comme on voit eux, il faut créer des ordres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout canaliser secteur. Au moment qui bah quoi engager bah tout. Automatiquement ça va créer de l'emploi. Et bah ça bah personnel là bah société voilà. Et dans tout ça, c'est le Congo qui va gagner. Ça nous ramène à des départ de politique culturelle. Tout ça, c'est une politique culturelle. Mais qui a quoi que ça là, tout est parce que et les artistes musiciens, et les V, et les dirigeants, et les vendeurs ambulants, et ceux qui les nani, et les fanatiques, bangotou, les foufous. Les mêmes bandits, j'ai dit, je vous remercie. Les foufous des mêmes bandits. Les foufous des mêmes bandits. Je suis en train de perdre ma voix à tout moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir conclu. Donc, naba musicien, naba, donc vous tous là, les foufous des mêmes. Donc, ça, là, ce sont les propos de. T'es eux pour le nom, comme fait non, j'ai juste répété pour ceux qui n'ont pas entendu au fait. On n'a pas besoin de ça. Vous continuez moi, seulement, audience, vous avez perdu. Vous êtes les foufous des. Alors, bah, je te laisse tes salutations. Tu as des salutations ou bien je passe? Je présente juste mes condoléances à mon cher frère Herman Ngumba Nji, qui venait de perdre sa maman. Okay. Je pense que surtout aux Anaïwana, les premiers pour enterrer notre maman. Également, beaucoup de force à Bernard Tchamala, également, qui venait de perdre son papa.
bien qu'on a déjà enterré, tu as 40 jours pour tout reprendre l'activité normale. Okay. Sinon, bien des bonnes choses à Mireille Floriona, Nadine Mayo, depuis la France, Irène Biuma. Des gros bisous à toi depuis l'Australie, toute la famille Mukuna, et je vous aime beaucoup d'ailleurs, on a déjà Boyebi. Et puis voilà, un grand merci à tous. Voilà, merci beaucoup. C'était Thierry Mombaya, encore une fois, la table ronde, cette fois-ci reçue par moi, parce que Merveille Ngol est en train de jouer l'intermédiaire. Voilà. J'aime bien éclaircir ses plumes et jouer l'intermédiaire. Il m'est remplacé parce que la santé, ça n'allait pas. Donc déjà là, vous entendez avec ma voix que la santé, ça ne va pas trop. Mais vous m'aviez tellement manqué que je devais seulement revenir. En passant, je salue Machala. En tout cas, tout le temps, tu m'écrivais, audience, machin, machin et tout. Tout son. De gros bisous à toi, je t'aime beaucoup. Alors, derrière la caméra, c'était Glody. Mais ça, Glo, je t'ai dit un grand merci pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans la prochaine avec Aïdor Bokwala. Au revoir.